Donc les amis, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, on s'est fait courser par les flics. Donc du coup ce soir, il y a Soso qui va dormir à la maison avec Bâtard. Voilà, n'hésitez pas à le rajouter sur Insta, je le répète à chaque fois, mais au moins c'est fait. Ils viennent pourquoi? Ils viennent parce que tout simplement j'ai peur que la police vienne me chercher chez moi, étant donné qu'on a fait une course poursuite et qu'ils ont arrêté de nous suivre spontanément. Voilà, c'était assez bizarre. Donc ce qu'on va faire, c'est que regardez, moi je vais prendre cette GoPro, je vais en prendre une autre là-bas. Donc les gars, je vais poser un peu des GoPro dans toute la maison, au cas où, si demain la police arrive justement, les caméras seront branchées en direct, elles filmeront tout le temps, même quand on va dormir, au moins s'il y a quelque chose, on pourra filmer parce que là, il n'y a pas de caméraman, il n'y a rien du tout et on ne peut pas faire autrement justement pour les filmer. Donc on va choisir les angles de vue. Là, il est tard, on va aller se coucher parce qu'on a passé une journée de merde, vous avez pu le voir. On est éclaté et on a pris des risques, voilà. Donc j'espère que demain, il n'y aura personne. Dans le meilleur des cas, ce serait bien qu'il n'y ait personne. Mais s'il y a quelqu'un, il y a les caméras et les caméras, elles filmeront tout ce qui va se passer. Voilà, donc les gars, on va aller se coucher et... on verra ce qui se passe dans la nuit. Hein? Absolument. Allez. Vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre le téléphone. Mon téléphone. Mmh. Je vais le mettre en mode enregistreur de son toute la nuit. Je me mets sur mode avion et j'enregistre. Là-bas. À partir de maintenant, il ça va. Il va entendre ses ronflements. Je le mets là, tu vois. Comme ça, on entend tout. Je suis éclaté. Mais moi, je suis éclaté. Allez, vas-y, monte sur le lit. Attends. Tu adores avec ça. De rebus, mon poussin. Ouais, moi, je prends mon poussin. Ouais, moi, je suis bien comme ça. Éteins aussi le sang. Main gauliche, bonne nuit. Mais dis pas bonne nuit. Et bonne nuit. J'espère qu'il va rien avoir. Il va rien avoir. Vas-y, bonne nuit. Tu mets une gaouille direct. Ouais, t'as vu, même. Ouais. Autant mis ça, Ambré là c'est nickel. Ouais. Ouais, c'est quelle heure là? C'est 2h, 2h30 je crois. Bon, descend. En espérant que. Attends, ça toujours un peu la fenêtre, il fait chaud. Ah, mais on va se faire niquer par les moustiques. Non, j'ai une moustiquaire, j'ai la moustiquaire. Ah, tiens, mon frère, on a un hiver, tu es sérieux, y'a pas de moustiquaire. C'est vrai, t'as une moustiquaire en plus. Bon, les gars, bon, t'imagines demain il vient? Arrête, vas-y, bon. Non, imagine. Non. Allez, demain, j'ai envie d'aller travailler, donc du coup, si vous voulez pas me lever, vas-y. Imagine, demain. Mais l'action qu'ils ont fait tout à l'heure, frérot, c'était chaud. Mais du coup, ils ont fait demi-tour, ils ont dû prendre l'immatriculation, à mon avis. Eh oui, c'est bien sûr. S'ils viennent demain matin, c'est que ce soir, ils montent le dossier, ils montent une équipe. Mais c'est quoi le sens? Le sens, ils vont nous faire comme la vidéo qu'on a pas pu sortir, où on a tous été en garde à vue. On va t'arrêter de bouger, frère. Hein? Arrête de bouger, tu es en fou. Ouais, c'est trop. Mais je suis pas le seul, j'ai trouvé une position pour dormir. La prochaine fois, tu dois retourner avec tes. Moi, je te laisse mon place, si tu veux, frérot. Pas de soucis. Frère, il est plus confortable mon lit que ça. Il faut se dire une chose, c'est que si demain ils viennent, il me reste 4 heures de sommeil, en fin de ta gueule. Ça a sonné, gros. Ah, sa mère. J'ai entendu gros sonner, je suis pas fou. Quoi? C'est quelle heure? 6h05. C'est bon, gros. T'es sûr, quoi, gros? T'es sûr? Ça a sonné. So. So. Ça, ça a sonné, gros. Il y a des képus. Comment tu t'es chiant? Il était là. C'est 6h05. Attends. Non, je t'avais dit quoi? Tu vois, je t'avais dit, frère, je le savais. Comme sa mère. Tu descends? Ça saute. Le micro, il va péter la porte, sinon. C'est mes collègues. C'est tes collègues? Ah, en plus, c'est ça va. Allez, on se réveille, allez. Allez. Les gars, c'est la police, hein. Oh. Allez. Non. Non. Malade. Vas-y. Allez, c'est bon. Chut. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je te parle, rien que moi. Est-ce que tu trouves ça normal ce que tu as fait?
Les gars. Non, mais non. Voilà, j'arrive. Fais sortir tes collègues. Fais sortir, ouais. On arrive. Bien sûr. Il va venir là-bas. Tu veux quoi, faire un bras? On va vous quitter? C'est pour quoi? On arrive, on vous arrive, oh là, voilà. C'est pour quoi? Tu joues au coin, on a dormi 4 heures. Bon, pourquoi il s'en fout? Tu n'aimes pas, bâtard. Allez, allez, sérieux. Tu veux dire, t'as fait rire, non? Je sais pas, on sait pas, on faisait ça, tu m'en fous. Ah ouais, dis-moi. Peut-être qu'on dirait jouer au coin, parce que si toi, on joue au coin, hein, parce qu'il y a la vidéo quand même. Il nous dit, c'est pas pour rien. Tu poses des questions. Déjà, tu me crois pas. C'est pas toi qui pose des questions. Arrête de rigoler. C'est pas toi qui pose des questions. Arrête de rire. Là-bas, il n'y a pas de manipulation sur quoi, tu vois. Ouais. Ah oui, mais si, non. Vous savez à qui aller si vous venez ici. Mais que tu te mets dans le coffre d'une voiture. Deux polices, bloquer les collègues. Non, c'est vrai que de bloquer les portes des collègues, vous allez vous échapper. C'est pas ce qui se cache. Ah, ne fais pas ce dette, c'est sous vidéo. Ah, si tu me prends pour des cons, bon. Sérieusement. Là, concrètement, qu'est-ce que... Concrètement, ce qui va se passer, c'est vite fait. C'est que là, il est 6h21, tu es passé en garde à vue. Tout simplement. Tu vas venir avec nous. Donc on va laisser tes collègues là. Oui, oui. Que lui, oui. Parce qu'il y a que lui qui est dans la voiture. Là, c'est ici. Là. Et là, je vais pas. Je risque quoi? Je risque quoi la tu verras là-bas, c'est tout. Tu fais ce qu'on fait. Après, c'est la juge. C'est la juge qui décidera. On va quand même regarder là-bas. Ouais. Regarde. Allez, allez, j'en fais un peu. Allez, j'en fais un peu d'aise là-bas. C'est jamais. Oh, il a des sucettes illégaux ou quoi? Hein? Il a des sucettes. Pas d'odeur de machine illicite, donc ça va. Je sais pas, ben, les gars, qu'est-ce que vous avez fait de faire ça? Non, parce qu'en fait, t'as fait des vidéos, nous sommes. Ouais, 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 ouais. Tu fais des vidéos, ah, petit couteau, ah, ouais, ouais, ouais. C'est ma collection? Vous êtes sérieux pour ça? Catégorie 4, mon pote. La pointe, elle est cassée et tout, monsieur, parce que j'avais. Arme blanche. Prends-le. C'est parce que je bricole souvent, c'est pour ça, monsieur, il faut que je coupe quelques trucs. Bon, concrètement, ce que vous avez payé, les gars, c'est même ici. Que tu fasses des vidéos sur YouTube, ça me tape. Mais ça me prend une force de l'ordre, d'accord, bloquer les collègues, c'est partir en course poursuite, c'est bien. C'était pas méchant, on voulait pas. C'était pas méchant. Pendant la course poursuite, imagine, il y avait un petit qui traversait la route. Ouais, je vais vous expliquer mon point clairement. Ouais. À la base, comme on vous a dit, c'était une vidéo. Ouais. On voulait rire, ça a mal tourné, c'était pas prévu, c'était juste de se mettre et qui ressort. Voilà, ouais. Finalement, après. Au moment de l'élection, ils sont arrivés, voilà, après, c'était pas prévu. C'est pas voulu, ça. C'est une voiture de police. Oui, mais on reconnaît nos. Non, donc le collègue, il est dans le véhicule, sans moi l'intervention. Je veux dire, je suppose qu'il y a un accident, même avec la voiture de police, c'est dans le port. C'était pas quelque chose que. Déjà, c'était pas prévu, on voulait pas faire ça, voilà, après. Mais heureusement, t'es pas. Mais t'es fou, quoi, heureusement, t'es pas tué quelqu'un. Si tu tues quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? 20 ans? 20 ans pour une connerie sur YouTube? Oui, mais voilà, après, là, en cas de. D'accord. Tranquille, moi, ce que je vois qu'une chose, c'est que c'est lui qui fait les vidéos et c'est lui le plus calme. Lui, apparemment, il a compris ce qui va y arriver. Oui, parce que c'est le plus fautif. Et on vous a pas parlé. Parlez-moi, il n'y a pas manqué. T'es sûr, pourquoi tu veux rejoindre ton collègue, toi, t'es un fautif? Non, mais c'est parce qu'on est tous les trois. Ouais, j'assume avec. Si je dois assumer. Voilà. Mais tu vas assumer, mon pote, moi je te dis. J'assume. Tu vas assumer. Tu vas voir la juge, c'est la juge qui va décider ce qui va t'arriver. Comme le collègue italien. Garde à vue, là? Oui, c'est garde à vue, là. Eh oui, mon pote, ouais. 48 heures? Ouais, 48 heures de garde à vue. Si le proc. Non. Décide de prolonger jusqu'à 96 s'il faut. De toute façon, tu vas passer devant la juge. De toute façon, ça va être compréhension immédiate, là, je le dis. Ah, ça y est, c'est une blague. Eh oui, ouais, exactement. C'est une blague qui a mal tourné. Eh ouais, donc, réfléchir. Qu'est-ce que tu crois? On faisait des conneries avec aller sur YouTube, on en voit passer, c'est pas un souci. Mais faire ça, une voiture de police, course-poursuite, il peut y avoir un accident, comme dit le collègue, on peut écraser un petit, même nous, hein. Donc là, si je comprends bien. Je vais être en garde à vue maintenant. Ah ouais, mais... terminé, tu peux laisser ton téléphone ici ou l'emporter, tu me passes. Voilà. Donc tu vas sa gauche. Tu vas te sentir de ça. Ne reste et prends les affaires, on sait jamais. Je vais réfléchir aussi, hein. Ah, je sais. En plus, moi, c'est pas. Je sais vraiment si c'est une connerie, j'ai fait. Je sais que je fais une connerie. Je vais réfléchir avant. C'est pas notre travail dessus. Là, je sais même pas où ça va me mener cette histoire. C'est pas je peux vous demander juste un truc de parler. Ouais, on vous appelle. Pas me mettre les menottes s'il vous plaît. Moi je rentre dans la voiture, il n'y a aucun problème. Vous donnez 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ouais. Devant les gens et tout, s'il y a du monde dehors. Pas de soucis. Hein? Là,
Je ne sais pas. Non, oui, non, hein, mais je sais, mais. Si un jour tu t'as fait déplacer, ah, tu vas avec toi. Donc tu prends mon téléphone, vous appelez la famille. C'est moi, t'inquiète. Bon, ben, le seul avec ta soirée. Porte, laisse-les. Bon, mets-les. En gros, ça m'a réveillé d'un coup. Le quoi, là. Il est où son téléphone, déjà, fouche pas. Ah putain, c'est là, il a mis le truc là. Enregistrement. Ça enregistre encore? Laisse l'enregistrement. D'accord, on prend nos habits et tout, non? Ça, bah vas-y, viens, on va prendre les caméras, on va éteindre. Ou... nos habits? Ouais. On va chez le caméraman, frère. Oh, elle est brûlante, la GoPro, gros. Ouais. On va s'habiller, on va se casser. Ouais, voilà, on est avec Bâtard, là. On va aller rejoindre le caméraman. On va se faire réveiller par la police qui sont venus chercher Anto. Donc, voilà, on récupère des GoPro. Hop, oh, madame, tu en prends une, il me semble, parce que je vais pas m'en sortir. Réveille. Prends les clés, prends ta banane. Réveille, prends. C'est bon, les clés sont sur la porte, vas-y, on y va. Bon, la famille, voilà, hop. On vous souhaite une bonne journée et on vous tiendra au jeu de ce qui se passe.